وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد La fermeté sur sa religion, sur l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur l'attachement à la voie droite est chère et précieuse. Notamment lorsque l'époque est pervertie, que les troubles et les tentations sont conséquentes, lorsque les passions se suivent les unes après les autres, et que les ambiguïtés nous cernant de toutes parts se multiplient et viennent corrompre le croyant dans sa religion et sa croyance, en le faisant douter sur celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ces troubles qui allaient survenir en disant « Empressez-vous d'accomplir des bonnes œuvres avant que ne viennent des troubles » comparable à des lambeaux de ténèbres nocturnes. L'homme est de bon matin croyant et devient le soir mécréant. Et il est au soir croyant et se retrouve de bon matin mécréant. Il vend sa religion pour un bien de ce bas monde. Parmi les caractéristiques de la voie prophétique, la voie des salafs, ses adeptes sont fermes sur la vérité et non versatiles quant à celle-ci. Quant aux innovateurs, quant aux égarés, quant aux gens de la passion, tu trouveras l'un d'entre eux sur une voie le matin et sur une autre voie le soir, ne cessant de changer et de faire preuve d'instabilité au regard des avis et des passions qui se présentent à lui. Il ne fait preuve d'aucune fermeté car il ne possède aucun fondement solide sur lequel il peut s'appuyer. Quant aux gens de la sunna, ils ont pour eux le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est ni plus ni moins que la vérité par laquelle est venu le messager d'Allah. Hudhayfah ibn al-Yaman, un sahabi al-jalil, a dit « Tout l'égarement » et dans une autre version « Le véritable égarement » consiste à accepter ce que tu réprouvais ou de réprouver ce que tu acceptais. Prends garde de la versatilité dans la religion d'Allah, car la religion d'Allah est une. Fin de citation. Al-Mughira rapporte d'après Ibrahim al-Nahai, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui a dit, les salafs, et il parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, répugnaient la versatilité et l'inconstance dans la religion. Et il dit aussi, ils considéraient que la versatilité dans la religion relevait du doute des cœurs sur Allah. L'imam Malik a dit, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, le mal incurable, c'est l'inconstance dans la religion d'Allah. Cette manière à changer les principes de la religion n'a face aux événements et aux conjectures. Retourner sa veste le matin et le soir. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans le sens des versets. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. L'imam Abdurrahman ibn Sa'di dit en commentaire de ce verset coranique, Allah nous informe qu'il raffermit ses serviteurs parmi les croyants, à savoir ceux qui agissent en conformité avec leur foi parfaite qu'ils ont dans le cœur. Cette foi implique des actes du corps et vient les fructifier. Lorsque les ambiguïtés se présentent à eux, Allah les affermit dans cette vie présente en les guidant vers la certitude et en les raffermissant. Lorsque les passions se présentent à eux, Allah leur octroie une volonté ferme qui leur permettra de faire prévaloir ce qu'Allah aime sur les passions de l'âme et ses désirs.
dans l'au-delà, lorsque la mort se présente à eux, Allah les a fermés sur la religion de l'islam et la bonne fin. Dans la tombe, lors des questions que poseront les deux anges, Allah les a fermés par une réponse juste et valide lorsque l'un d'eux dira aux morts, qui est ton, quel est ton Seigneur, quelle est ta religion, quel est ton prophète. Allah les guidera à ce moment vers la bonne réponse. Le croyant dira alors, Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion, Mohammed est mon prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Tandis qu'il négla les injustes de la vérité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ce n'est pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Fin de citation. Certes, Allah a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire preuve de constance et de fermeté sur la vérité. Vérité vers laquelle il l'a guidé et par laquelle il l'a couvert de son bienfait. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens des versets, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. De même, Allah Jalla wa'ala a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa'ala dit dans le sens des versets, demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi, et ne commettez pas d'excès, car vraiment il observe ce que vous faites. Parmi les particularités de la voie prophétique, ses adeptes sont fermes sur la vérité. Ils ne changent pas, comme ceci est l'usage des gens de la passion et de l'égarement. Mais bien au contraire, ils ont connu la vérité et ont porté foi, l'ont appliquée, ont invité les gens à celle-ci et ont patienté sur les préjudices occasionnés. Ils ne l'ont aucunement délaissé, ne serait-ce qu'un instant aussi furtif que celui du clignement de l'œil. Car Allah tabaraka wa ta'ala les a placés sur la droiture et les a attachés à sa corde solide. Et ils sont de ce fait sur les traces du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Islam, rahmatullahi tabaraka wa ta'ala a dit, en vérité, la fermeté et la constance chez les gens du hadith et de la sunnah sont de loin beaucoup plus probantes et notoires qu'elles ne le sont chez les philosophes et les adeptes du kalam. Fin de citation. La constance se trouve chez les gens de la sunna, car ils connaissent la vérité et s'accrochent à elle, et par conséquent, Allah tabaraka wa ta'ala les y affermit. Ils se positionnent sur la bonne voie, et Allah les guide encore plus et leur inspire leur piété. Ils luttent pour la cause d'Allah et Allah, le Seigneur de l'univers, les guide sur les sentiers de la guidée et de la droiture. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, ce que possède le commun des musulmans ainsi que leurs savants parmi les gens de la sunna et du groupe comme connaissance, certitude, quiétude, affirmation de la vérité, parole de fermeté, conviction tranchante envers ce sur quoi ils sont, est une chose qui n'est discutable que pour celui qu'Allah a dépouillé de sa raison et de sa religion. C'est-à-dire que cet état de fait n'est pas sujet à divergence chez toute personne douée de raison et chez toute personne impartiale dans sa religion. Si vous souhaitez être sur la voie prophétique, apprenez la vérité. Accrochez-vous à la vérité et prenez garde de l'adversité, de la versatilité, du changement, de l'inconstance, de l'instabilité, du changement de position et d'avis. Car ceci ne fait pas partie des caractéristiques des gens de la vérité, mais c'est une caractéristique propre aux gens des passions. Ils sont sur une voie le matin, alors qu'ils empruntent une autre voie le midi et encore une autre le soir. Ils vendent sa religion pour un bien de ce bas monde. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana 'ala al-haqq wa nas'aluhu jalla wa 'ala al-huda wa at-tuqa wa al-'afaf wa al-ghina. Allahumma ya musarrif al-qulub saghrif qulubana 'ala al-iman wa at-taqwa. يا مسخرف القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان والتقوى.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقل رب زدني علما.